c'est ici, à la PJ, dans ce carré. Ils ont été fusillés le 15 janvier 1971. Ils étaient trois. Trois qui avaient été condamnés à mort à Yaoundé, par un tribunal à Yaoundé. Et les acteurs de cette condamnation, quelques-uns existent encore. Un est mort dernièrement, donc Belambapé, je vais citer les morts, je ne vais pas citer les vivants. Belambapé, qui était magistrat, on les a condamnés. On les a transportés ici à Bakoussam et on les a exécutés en cet endroit. Ils étaient trois. Il y avait Ernest Wandier, il y avait Wambolo Courant et il y avait Takala Célestin. Les autres, bon, on ne les avait pas tués, mais là, les trois, on les avait exécutés en Bakoussam. Oui, exactement. Oui, oui, c'est entre ce truc-ci et là. C'était l'endroit là. On a un peu terrassé le talus, c'est là qu'on avait... Il y avait mur. Non, le talus, la terre là, elle était un peu plus haute. La terre était un peu plus haute. Parce que pour que, quand on tire, que les balles n'aillent pas ailleurs. Donc on met toujours ça, talus. Donc ils étaient trois, on a fusillé ce jour-là. Wambo Courant, Takala Célestin et Wande Ernest. Élevé à la dignité des héros nationaux. Et vous voyez, cet endroit-ci aurait dû, à tout le moins, être aménagé pour que la jeune génération se rappelle de l'histoire macabre qui a eu lieu ici, mais non. Donc, la reconnaissance en tant qu'héros n'était qu'une reconnaissance, je dirais, de façade formelle pour faire plaisir peut-être à quelques-uns, mais ce n'était pas réel. Et nous souhaitons que celle-là devienne réelle et qu'elle entre dans les faits, c'est-à-dire qu'on se remémore effectivement de tous ces lieux de souvenirs pour que la jeune génération sache ce qu'a été l'histoire du Cameroun. Ce n'est pas normal que là où le peloton d'exécution a assassiné ces héros-là, ce soit comme ça. Même le maire de Bakoussam, le maire ou le délégué du gouvernement, devrait au moins se rendre compte que cet endroit, c'est un endroit même qui serait devenu touristique s'il avait été aménagé. Parce que pour l'histoire du Cameroun, beaucoup de gens pourraient venir ici se consoler dans cet endroit. Comme un soleil, tu commences à paraître, peu à peu tu sors de ta sauvagerie. Toi, tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, sois tout amour, te servir que ce soit le seul but, pour remplir le devoir toujours. Cher patrie, cher chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur.